faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe. Sinon c'est vide. Hein. Après. Ah bah t'as rien. On a une tournée acoustique avec les instruments traditionnels que j'ai jamais fait ça. Et surtout avec la kora, ça j'ai jamais fait. C'est pas la même approche qu'avec le groupe électrique. Ici, c'est la mélodie vraiment qu'on entend. C'est une tournée un peu nostalgique. Par exemple, Namanamani, il y avait longtemps qu'on ne joue pas ça sur scène dans le monde. Djandjoum, Koulandjan, tout cela. Ça, c'est des morceaux qu'on ne faisait plus avec le groupe électrique. Je t'aime, mi amor, meni befie, en el yarabirila. J'aime bien ça parce que quand même, il y avait longtemps que j'avais envie d'entendre beaucoup de mélodies autour de moi. Ça me fait plaisir personnellement. C'est vraiment des concerts de famille qu'on va faire, quoi. S'éclater sur scène et rire et souvent même pleurer. Ceux qui ont dit que c'est la musique du monde ne se sont pas trompés parce que nous, on est le brassage de tout le monde entier. Pour Salif, il n'y a pas de frontières, quoi. Moi, je suis très ému de jouer avec un grand rossignol comme Salif Keïta. Chama e inamo valu chama e.